salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour l'un des moments les plus attendus de l'année, le nouveau Call of Duty Black Ops 4, enfin il est là mon pote, yes! Et on va découvrir ça ensemble, bien évidemment. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le jeu, mais principalement on va se concentrer sur le multiplayer, le multijoueur. Si tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur le multijoueur et que tu veux simplement voir du gameplay, passe, avance un petit peu la vidéo comme ça pour avoir ça, parce qu'il va y avoir une petite phase d'explication. Si tu te poses des questions sur le multijoueur et que voilà, il y a des trucs que tu sais pas trop et que tu cherches les réponses, possiblement ça sera dans cette vidéo là. Donc on arrive déjà dans le menu de Black Ops 4. Ici, quand tu vois contrôle, quator et 9, ce sont les modes de jeu phare mis en avant. Donc on a multijoueur, on a Blackout qui est le Battle Royale et on a le zombie. Alors pour le zombie et le Battle Royale, il y aura des vidéos dédiées. Là on va se concentrer sur le multijoueur et à peu près voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a également le QG des spécialistes qui sont des petites histoires en rapport aux spécialistes. Et c'est la première fois sur Call of Duty qu'on n'a pas de campagne solo. Et je sais qu'il y a des gens pour qui ça va manquer un petit peu, mais je pense qu'il faut être assez honnête quand même que dans la majorité on joue pas vraiment au solo. Très très peu de joueurs y jouent. Et surtout, très très peu de joueurs y rejouent. C'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé la campagne solo, bah généralement tu n'y retournes pas dans le jeu. Voilà, tu vas la faire une fois. Donc du coup, bah, c'est peut-être mieux d'avoir des modes de jeu tels que le Battle Royale, sur lequel que tu sais que tu vas pouvoir jouer toute l'année, voire plus même encore, en suivant de ce qu'on aura comme nouveauté. On en reviendra un petit peu après, parce que bien évidemment, je vais vous donner mon avis aussi par rapport à tout ça. J'ai joué un peu déjà, et il y a des choses à dire. Donc, on a le mode studio, excellente nouvelle, le mode studio, on peut faire confiance à Treyarch là-dessus. Merci, merci beaucoup. Parce que pour moi, un Call of Duty qui n'a pas de mode studio, c'est pas pareil. Quand tu regardes Infinite Warfare, quand tu regardes MWR, quand tu regardes Call of Duty World War 2, c'est des jeux que tu peux aimer ou moins aimer, etc. Mais quand il n'y a pas de mode studio, c'est pas pareil. Et en plus de ça, le mode studio, l'excellente nouvelle, c'est que tu as le multijoueur, le blackout et le zombie. Les trois modes de jeu sont dans le mode studio, et ça c'est vraiment génial. La question qu'on me pose également, est-ce qu'il y a un marché noir? Pour le moment, pas de marché noir sur Black Ops 4. On peut dire que ça peut être une bonne nouvelle, parce que si on regarde le marché noir qu'on avait sur Call of Duty Black Ops 3, c'était une arnaque, c'était horrible, c'était ignoble, c'était inadmissible, et j'espère vraiment qu'on n'aura pas un marché noir tel qu'on avait eu sur Black Ops 3, parce que ça serait vraiment une très très mauvaise chose. Nous sommes dans le menu multijoueur, menu que je trouve simple, un peu trop simple à mon goût. C'est vrai que sur l'arrière, là on a le spécialiste, enfin le personnage, enfin, c'est le spécialiste d'ailleurs, mais on n'a pas un fond propre par rapport au spécialiste comme on avait eu sur Black Ops 3, que je trouvais sympa, parce que du coup on avait un petit fond d'écran qui changeait suivant les spécialistes. Là on a toujours le même fond. Alors est-ce que c'est des choses qui vont changer, évoluer en fonction des saisons, où ils vont mettre à un moment un petit truc Noël, un petit truc Halloween, etc. Je ne sais pas, il est encore tôt pour le dire. Là on est premier jour, c'est vraiment le jour de la sortie même du jeu. Premièrement, dans les modes de jeu, ça va être une partie de déception pour moi, parce qu'au niveau des modes de jeu, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel, extraordinaire. Voilà, c'est standard. Voilà, il dit on est dans le mode de jeu standard, et effectivement là on est vraiment dans le standard. On a 8 modes de jeu, 8 modes de jeu, c'est vraiment pas assez. Pour un jeu qui n'a pas de campagne solo et qui est, on va dire, plus axé multijoueur, certes, il y a le Battle Royale, mais uniquement 8 modes de jeu, c'est vraiment pas assez. Alors là, encore une fois, tout ce que je vais dire et tout ce qu'on va voir dans le multijoueur, on n'est que le jour de la sortie. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, il y aura des nouveaux modes de jeu, il y aura des nouvelles maps, il y aura de nouvelles armes, il y aura énormément de nouveaux contenus. Ça, on peut faire confiance sur Treyarch là-dessus. On l'a vu avec Black Ops 3, ils ont vraiment pas déçu les fans. Après, la manière dont ils l'ont fait, ça peut être discutable, mais au moins ils l'ont fait. Bien évidemment, et je sais ce que vous allez dire pour certains, pour moi, il manque le jeu d'armes. Pas de jeu d'armes, mon pote. Et les petits modes de jeu fun comme ça, comme on avait à l'époque sur Black Ops 1, Black Ops 2, on avait une balle chargée, on avait Sharpshooter, on avait caillou et bâton, on avait le jeu d'armes, mais c'était génial. Des petits modes de jeu détente qu'on a vraiment besoin sur le jeu. Là également, ça va être un petit point où je suis un petit peu déçu. Pour toutes les personnes qui ont joué à la bêta, malheureusement, il n'y a pas vraiment de plus en termes d'armes, en termes de contenu, et c'est vraiment, vraiment dommage. Et encore une fois, je le dis, hein, vous savez pertinemment ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on aura des nouvelles armes sur Black Ops 4. On a eu énormément, énormément de nouvelles armes sur Black Ops 3. Ça sera la même chose sur Black Ops 4, je suis sûr. Reste à voir encore quelles seront les modalités pour obtenir ces nouvelles armes-là. Bien évidemment, il y a les camouflages. Alors, j'ai joué majoritairement avec le paladin, donc on peut voir les petits camouflages qu'on a sur l'arme, et l'excellente nouvelle, bien évidemment, le retour du camouflage en
en or. Je ne l'ai pas encore, donc on ne peut pas vraiment voir ce que c'est. On a également le camouflage diamant et le camouflage singularité. Obtenez le camouflage diamant pour toutes les armes. On connaît, c'est un petit classique maintenant. C'est un petit peu comme le camouflage matière noire qu'on avait sur Black Ops 3. De retour sur Black Ops 4. Maintenant, on va aller voir les séries de points. C'est pareil, c'est plus ou moins ce qu'on avait sur la bêta. À ceci près qu'on a les 5 drones. Je crois pas qu'on l'avait ça. Demandez un escadron de drones autonomes équipés de mitrailleuses sur les tourelles. J'ai jamais testé, mais ça s'annonce plutôt sympa. Et surtout, la petite nouveauté, l'hélicoptère de surveillance. C'est un hélicoptère, mais à l'intérieur, lui, que ça soit des mitraillettes, ce sont deux snipers qui sont là. Hélicoptère de surveillance accouplé à l'hélico d'attaque, je pense que ça peut être plutôt violent. De base, dans le jeu, nous avons 14 maps, Arsenal, Contrebande qui était dans la bêta, Fine Range qui était la map de Black Ops 5 qui avait été également remasterisée sur Black Ops 2 qui s'appelait Studio, qui fait son retour sur Black Ops 4. Je vais en parler un petit peu après des maps remasterisées, etc. parce que je sais que tout le monde a un peu son avis là-dessus. Frequency, Gridlock, Hacienda, c'était les maps qui étaient dans la bêta. Icebreaker, vraiment sympa. Jungle, map de Black Ops 1, elle régale. Militia, j'adore. Voilà, map originale de BO4, vraiment je la trouve géniale, surtout pour le sniper. Morocco qui est vraiment classe aussi. Alors à chaque fois, dès qu'il y a une nouvelle map comme ça, on dit « Ouais, mais ça là, elle ressemble à un tel, elle ressemble à l'autre, etc. » Chacun a son avis là-dessus. Playload qui était sur la bêta, Seaside également sur la bêta, Slums de Black Ops 2 et Submit de Black Ops 5 qui avait également remasterisé sur Black Ops 2 qui s'appelait Uplink. Donc il y a 14 maps de base dans le jeu. On aura une 15e, la célèbre Nuketown qui va arriver gratuitement pour tout le monde en novembre. On n'a pas la date exacte encore, mais on sait qu'en novembre, Nuketown gratuit pour tout le monde. Comme je dis toujours, je préfère largement le remake d'une map qu'on sait qui est excellente et qu'on adore, plutôt qu'une map 100% originale et qui s'avère finalement pas terrible du tout. Je regarde Arsenal, c'est pas une map que j'apprécie particulièrement, c'est une map qui est originale de Black Ops 4, mais voilà, je suis pas si fan que ça. Et on sait pertinemment que les maps, que ce soit des remasters, des remakes ou des maps originales, au bout de 2 mois, on va toutes les connaître par cœur. Donc autant que ça soit une map qu'on adore. Et quand on regarde Fine Range, Jungle, Slums, Summit, je pense que pour tous les fans de Black Ops, ce sont des maps qu'on adore, on adore et on adore. Imaginez le remake de Red qui soit là, voilà, hop, ils te refont Red. De la même façon, tu vas pas jouer à un remaster où ils te changent un peu les trucs, etc. Où finalement ça ressemble plus vraiment à la map d'origine. Non, ça j'aime pas. Tu vois, le remaster de Red qu'on avait eu sur Black Ops 3, ça s'appelait Empire, avec le style un petit peu romain. J'ai pas aimé. Mettez la map d'origine, juste faites-la mieux. Voilà, comme on a Summit, comme on a Slums, comme ils ont fait là, c'est parfait. Imagine Red, imagine Standoff, imagine Hijacked, imagine toutes ces maps là qu'on adore. Ensuite on a le menu, donc on a les spécialistes. Chaque spécialiste a ses propres spécificités. Après je vous invite à tout découvrir un petit peu, tester tous les spécialistes, voir un peu leurs fonctionnalités, etc. Et avec le temps vous allez trouver le spécialiste qui vous convient le mieux. À noter que chaque spécialiste sont les mêmes, c'est à dire qu'ils ont tous leurs spécialités, comme celui-là, l'ordinateur, la balise tactique, etc., l'unité canine, la mine en série. Mais peu importe celui que tu prends, tu auras les mêmes performances dans le jeu. C'est à dire qu'il n'y a pas un spécialiste qui va te permettre de courir plus vite ou d'avoir plus de résistance ou plus de puissance, etc. Ils ont tous les mêmes statistiques. Après, simplement, tu as des spécialités avec et c'est tout. On a les identités, donc avec les éditeurs d'emblèmes. Voilà, c'est là dès le début, à la sortie du jeu, ça fait plaisir. Ça, on peut dire que Treyarch, ils font bien les choses. Vraiment, quand tu regardes Infinite Warfare, Call of Duty World War 2, il y avait les éditeurs d'emblèmes, il y avait le fait de pouvoir créer son propre camouflage. Mais c'était même pas là à la sortie du jeu. On peut faire confiance à Treyarch pour faire les choses bien. Également, et on va terminer là-dessus avant le gameplay, on a la caserne avec toutes les stats, tout ce que tu as fait dans le jeu. Et le chose qui est importante, c'est que tu as la progression et les éléments débloqués. Et une petite question que je sais que vous êtes nombreux à vous poser, ceux qui ont joué la bêta avaient un jeton de déblocage, il s'active ici même. Voilà, quand tu vas voir ici, tu vas voir tout ce que tu vas pouvoir débloquer. Alors moi j'ai déjà utilisé pour débloquer le sniper hors la loi. Il s'est avéré que c'était pas forcément la meilleure décision, mais voilà, c'est celle que j'ai prise. Après, au fur et à mesure de l'expérience, tu vois tout ce que tu débloques, les armes, les atouts, les perks, les Strict, etc. Voilà, bref, tu peux voir tout ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est vraiment bien ce système d'affichage. Je trouve que c'est génial parce que ça permet de voir plus clairement quelles armes tu vas débloquer, à quel niveau, quels atouts, et pas devoir aller sur chaque atout et chaque arme pour voir à quel moment tu les débloques. Donc c'est beaucoup mieux cet affichage-là. Si tu as joué à la bêta et que tu as joué énormément comme moi, il y a beaucoup moins d'éléments et de côtés vraiment découvertes du jeu que si tu n'avais pas joué. Donc si tu n'as jamais joué à la bêta, tu vas tout découvrir et tu vas vraiment te régaler. Si tu as poncé la bêta comme moi, bah il n'y a pas encore assez de nouveautés. Tu dis, aïe, il y a un petit peu plus. Mais après, bien évidemment, le plaisir de jouer,
c'est là, c'est le plaisir de jouer, hein, c'est ce qui compte par-dessus tout. Hein, il ne faut pas non plus trop après chipoter sur « Ouais, mais il n'y a que ça quand même, il n'y a que si quand même, etc. » Et je vais prendre le petit exemple de Black Ops 1 et Black Ops 2. Je pense, sans me tromper, que ça fait partie des Call of Duty préférés de la communauté. Il n'y a jamais eu d'armes ajoutées. Mis à part Black Ops 2, il y a eu la Peacekeeper, c'est tout. Il y a eu les maps qui ont été ajoutées avec les DLC. On n'a pas eu de mode de jeu qui ont été ajoutés. On avait le jeu de base comme ça et il n'a pas changé du jour de la sortie jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant... c'est des Call of Duty qu'on a adoré, sur lesquels on a passé des heures et des heures et des heures. Et je pense qu'il ne faut pas perdre le point de vue essentiel de Call of Duty. Ce n'est pas tout le contenu que tu peux avoir, toutes les armes que tu vas rajouter, toutes les maps, tous les modes de jeu, tous les trucs, tous les petits trucs. C'est le jeu en lui-même et comment tu vas t'amuser sur le jeu. C'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Donc, il ne faut pas trop chipoter non plus sur disant « Tiens, j'aurais bien aimé un sniper de plus » ou ainsi de ça. Et l'important du jeu, c'est jouer, s'amuser, progresser, évoluer et vraiment se performer un maximum dedans, être le meilleur possible. Et après, une fois qu'il y aura du nouveau contenu, on pourra vraiment bien en profiter. Donc finalement... c'est pas gênant de toute façon. Hein. Avant dans Call of Duty, il n'y avait pas de nouveautés et ça ne nous empêchait pas de kiffer les jeux et d'y jouer pendant des heures et des heures et des heures. Mais j'ai l'impression que plus il y en a, plus on est, je sais pas dire pourri gâté, mais presque, et plus on en veut. Mais finalement, il ne faut pas oublier le sens même du jeu, c'est de s'amuser. Joue avec ce que tu as, joue avec tes jouets. Tu n'as pas besoin de 150 000 jouets dans ta pièce pour t'amuser, parce que de toute façon, tu vas finir par jouer avec le même. Moi, j'adore jouer au sniper. Ils vont peut-être en ajouter 2, 3, 4 après, mais ça se trouve, je jouerai toujours avec le même de base, le paladin que j'adore. Voilà, ça fait quand même beaucoup de blabla, mais là, ça va être la partie gameplay, mon pote. Et oui, allez, on va se faire une petite partie. Alors, on va se la faire au snipe classique. Hein. Moi, j'adore le snipe, donc on va se la faire au snipe. Alors, la question qu'on pourrait se poser, le retour de la ruée vers l'or. Je dirais pas oui tout de suite, parce que pas mal d'années, j'ai dit oui, retour de la ruée vers l'or, et finalement, les jeux m'ont pas vraiment si convaincu que ça, donc je l'ai pas vraiment fait. Je vais commencer un petit peu, on va voir, on va y aller pour la ruée vers l'or. On va le faire au sniper, de toute façon, ça c'est obligatoire. Mais avec les autres armes, je vais pas m'avancer trop pour le début. Je pense que oui, mais ça dépend de la suite des événements. C'est parti sur Slums avec le paladin. T'as une petite sensation de Black Ops 2 quand même là, hein. T'as l'impression d'avoir le DSR 50 et sur Slums, c'est génial. J'adore. Bon, on va essayer de bien faire, bien évidemment comme d'habitude. Ouh, je t'ai vu toi. Il est mort. Il y en avait deux. Hein. Il y en avait deux, ouais. Et merde. Merde, dommage. Alors, la petite nouveauté sur Black Ops qu'on a jamais eu jusqu'à maintenant, c'est l'inspection de l'arme. Voilà, la petite inspection de l'arme. Alors, pour faire l'inspection de l'arme, il faut faire la petite flèche de gauche. Voilà, tout simplement. Hein, si tu poses la question, t'as la réponse. Hop, t'as les sprays aussi. Bon, les sprays, honnêtement, ça sert à rien. Mais bon, tu fais comme tu veux, mon pote. Hein. Ils sont là, c'est toi qui choisis. Hein. T'as même les émotes. Voilà, ils sont là. Bon, bah écoute, tu fais comme tu peux. Alors, le problème que j'ai avec les émotes, c'est par exemple, regarde, c'est un jeu à la première personne. Donc, techniquement, s'il y a quelqu'un derrière le mur, tu peux pas le voir. Mais là, regarde, tu te mets à la troisième personne. Et tu pourrais voir le mec derrière le mur. Donc. Ça me pose quand même un problème les émotes, parce que ça peut être vraiment utilisé à mauvais escient. Et... bah c'est pas terrible, c'est pas terrible, parce que tu t'es mangé toi. J'adore le snipe, j'adore. Attends. Grenade flash, attention. Ils sont aveuglés. Trois ennemis flashés. Ennemis morts au combat. Trois ennemis flashés. Ah merde, il était arrivé derrière. Alors après, je vais pas rentrer en trop en détail sur les armes, les capacités des armes, les snipers, etc. On verra ça sur les épisodes appropriés de la ruée vers l'or quand il y en aura. De toute façon, la ruée vers l'or, il y en aura au sniper, bien évidemment. Ça, surtout les Call of, ça a toujours été la même chose. Et on parlera en détail des snipers et de tout ce qu'il en est à ce moment-là. Et honnêtement, quand t'es là sur Slums avec ce sniper-là ou les autres armes, t'as vraiment une sensation de Black Ops 2. Pour ma part, je trouve que c'est absolument génial. Il y a peut-être des gens qui se plaindront en disant « Ouais, ils ont mis des remakes, des maps de BO1, BO2, ils se sont pas fait chier, pas ci, pas ça, etc. » Mais faut savoir que par exemple, Black Ops 1, il est sorti il y a 10 ans. Tu vas me dire que tout le monde a joué à Black Ops 1 ? Je ne pense pas. Je suis sûr que dans la majorité, les gens n'ont même jamais joué sur les maps de BO1. Mais arrêtez d'être là en train de camper Anthony, merde! Tu me fais chier Anthony! Je vais essayer de me concentrer un peu sur le gameplay parce que j'ai l'impression que je fais quand même pas mal de la merde. Et regarde le petit camouflage que j'ai créé là. Tout simple. Alors le petit logo il pourrait être un peu plus en haut, mais ça fait stylé quand même, ça fait stylé. Je pense que ça peut arriver dans le spawn. Non, il n'y en a pas là. J'ai eu ruine. Oh la collate headshot! Non, collate headshot ou pas collate headshot? Ouh, voilà, nouveau camouflage mon pote. Je crois que j'ai mis une collate headshot mais je suis même pas sûr. Bref, alors là on va mettre le petit bouclier d'Ajax qui est entre nous un petit peu cheaté.
Batterie neutralisée. Ça a tourné le spawn, d'accord. Ruine abattue. Recon est mort. On tient la victoire. La laissez pas vous échapper. Ok. Ah, attends, je vais dégager de là. J'ai pas envie non plus qu'on dise que je campe. Ah, c'est terminé. Et ben voilà la petite victoire, mon pote. Voilà, un petit 28 au sniper, ça fait plaisir. Bon, quelques petits kills à l'arme secondaire, mais il y a des fois, voilà, t'as pas le choix. Mais c'est tellement kiffant. Les amis, j'ai joué quelques heures quand même sur le multijoueur jusqu'à maintenant. Et je peux vous le dire, c'est un kiff. Si derrière il y a des questions que vous posez encore après avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo par commentaire. Je ferai en sorte d'y répondre sur les futurs gameplays de Black Ops 4. Parce que des futurs gameplays, il y en aura. Ruée vers l'or, il y a également le Battle Royale Blackout. Il y aura du zombie, il y aura un petit peu tout. Ça fait plaisir, ça fait du bien ce petit Call of Duty. Et quand tu es sur les maps là, comme Slums, etc., tu ressens vraiment les sensations de Call of de l'époque et ça fait vraiment plaisir. Il y a juste les spécialistes, à certains moments ça peut être un petit peu casse-couille, mais on peut pas dire que ça soit non plus prédominant dans le match, donc c'est pas si gênant que ça. Tu vois, une fois que tu t'habitues un peu, c'est pas si gênant. Après, il y aura des patchs et des ajustements nécessaires à faire au niveau des killstreaks, des spécialistes, des armes, etc. Ça viendra avec le temps. Là, c'est que le premier jour de la sortie. Déception un petit peu quand même sur le contenu qu'on a de base, qui est guère plus que ce qu'on avait à la bêta. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, je vais pas me répéter, mais j'espère vraiment qu'ils vont rajouter du contenu régulièrement et assez tôt sur le jeu. On l'a vu avec Call of Duty World War 2, le jeu était bien au début, il y avait une hype, tout le monde est kiffé, etc. Mais finalement, il y avait tellement peu de contenu sur le jeu que très rapidement, on a fait le tour. Très rapidement, on s'est lassé et ils ont tardé très très longtemps, trop longtemps à sortir du nouveau contenu, tellement longtemps que les gens étaient partis. J'espère vraiment que sur Black Ops 4, ils ne feront pas la même erreur et qu'ils vont commencer très rapidement à mettre du nouveau contenu. Je parle bien évidemment des nouveaux modes de jeu, des modes de jeu de saison, des nouvelles armes, des nouveaux camouflages. On peut compter sur eux pour mettre des trucs genre des émotes, des machins, des trucs dont on n'a rien à foutre, mais ils vont le mettre quand même, tu sais comment que ça se passe, c'est comme ça. Sur ce qui nous intéresse, nous, des nouvelles armes, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles maps et régulièrement, pas attendre 3 mois en disant tiens, on a sorti le jeu, on part en vacances pendant 2 mois, on revient au bout de 2 mois en disant tiens les mecs, est-ce qu'on ajouterait pas un petit quelque chose? Non, rapidement, là, dans une semaine, il faut commencer à balancer des nouveautés, que le jeu soit vivant, faire vivre le jeu, c'est important. On l'a vu avec Fortnite, c'est la source de succès. C'est-à-dire ne jamais donner une occasion et un prétexte aux joueurs de partir du jeu, parce qu'une fois que le joueur est parti, pour leur faire revenir, c'est très compliqué. On l'a vu dans l'histoire du jeu vidéo. Donc si dès maintenant et régulièrement ils te mettent des nouveautés, il y aura toujours un prétexte et une occasion aux joueurs d'y aller, et ils vont pas partir, ils vont rester là et le jeu va être vivant. Un jeu multijoueur, ça doit vivre d'une communauté. Si la communauté n'est pas présente sur le jeu, il se meurt à petit feu. Et si tu mets des nouveautés, la communauté est là, elle est active, elle est présente et le jeu, il est vivant. Et c'est vraiment ça le point crucial sur le succès de Black Ops 4, parce qu'il y a des gens qui vont me demander, alors du coup, Black Ops 4, il vaut le coup ou il vaut pas le coup? De base, le jeu, pour moi, 100%, il vaut le coup. Il y a les zombies, il y a plein de maps, il y a le Battle Royale, il y a le multijoueur, il y a énormément de choses à faire. Vraiment, ce Call of Duty, pour moi, vaut le coup. Pour ce que j'ai pu passer, hier, j'ai passé 8 heures d'affilée sur le Battle Royale, j'ai pas vu le temps passer, c'était absolument génial. J'étais avec Sexy et Roby, on a tout déchiré, c'était un pur plaisir. Le multijoueur, aujourd'hui, j'ai joué pendant 4 heures, j'ai adoré, je me suis vraiment régalé, j'ai kiffé. Et c'est les sensations que tu cherches sur un Call of Duty. Donc pour moi, Black Ops 4 est vraiment un bon Call of Duty. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé un bon petit moment sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo par commentaire et donnez votre avis par rapport à tout ça. Bref, si t'as kiffé et que tu veux faire plaisir à la récompense, maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et surtout, activez les notifications parce que ça marche pas tout le temps les notifications. Activez-les pour être sûr de recevoir au moment où il y a une nouvelle vidéo. Si vous le faites, un énorme merci du fond du cœur à vous tous les amis. Merci beaucoup, excellente journée. Je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.